l'ELAS. Je suis un parmi les associations. Alors là, on est en train de monter à la source. Ouais. On est en train de monter, de voir là où il y a la source de l'eau, ici à Maweni Mboudé. C'est bien ça. Voilà. C'est fini? Non, ça c'est mon. Là, on est en train de monter. Bon, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Je vois Zainaba fatiguée. Mais ça ira, c'est pour bonne cause. Et là, c'est Mister Ilé. Là, on est en train d'aller à la source de l'eau de Maoni. Voilà, Monsieur Farid. Et voilà. Là, des chercheurs de l'eau. C'est joli la nature, hein? Ouais, ouais. La bio, les poules. Moi, ça me fait chaud. Dehors, les poules. Bon, nous voici, c'est ici, donc, ça tire. Pas vraiment ici. Pas vraiment ici. Pardon, on peut goûter ça? Ça me rappelle l'eau du Brésil, c'est comme ça. Voici arrivé à la source de l'eau de Maoni. Bon, même si ça tire très lentement, mais c'est de l'eau. Alors, pour l'instant, on va laisser la parole à monsieur le guide, monsieur Ilia, hélas. Écoutez, on a une parole. Montez. C'est lui qui va nous expliquer l'historique de cette eau-là. Et nous en parler de plus, et qu'après vous allez demander vos questions à propos. Monsieur Elas, si tu veux bien, comment on vous écoute? Comme vous voyez, c'est une structure naturelle. C'est de l'eau, comme vous l'entendiez, comme vous le voyez. Dites à Maweni, il y a de l'eau, purement naturelle, qu'on le fabrique partout. Comment? En fait, c'est tout, on le recrute depuis ici, on l'envoie dans les bassins, on l'amène en bas. Cette eau est montée, je ne sais pas parce que je suis comme vous, moi j'ai cherché à savoir l'histoire parce que je ne sais pas ici comment en fait, mais je suis arrivé, mais j'ai cherché à savoir l'histoire, donc je ne le connais pas exactement comme les anciens le connaissent, mais j'ai demandé à savoir comment cette eau est arrivée, mais moi depuis mon enfant j'ai vu cette eau. J'ai vu les gens du village qui économisent de cette eau. On la gâte comme si c'est notre propre enfant parce que cette eau, normalement, ça ne s'arrête jamais. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, cette eau, ça ne s'arrête jamais. On a pour le vendre. Mais cette eau ici, vous pouvez la mettre dans des bouteilles, faire des mois, ça ne va jamais périmer. Ça ne va jamais être comme l'eau de la pluie ou l'eau. Et voilà, si vous avez des questions, je crois que. Ouais. J'ai une question. Est-ce que la descente, ça change de rythme ou c'est toujours comme ça? Ouais, ça change de rythme. Ça change de rythme, comme je vous l'ai dit, parce que l'eau, ce n'est pas l'eau qui vient à cause de la pluie. Mais il peut y avoir l'été où ça coule plus fort que ça. Il peut y avoir, comme je dis à votre président, que parce que moi, rarement, je monte ici. Parce que moi, je reste au village, je ne vais pas... Dans l'histoire, qui a annoncé l'existence de cette source? Soit dit qu'il y avait une réunion en Saoumi, des gens qui voulaient savoir où la source va monter. Alors, qui a annoncé l'existence de l'eau? Et celui qui a annoncé l'existence de l'eau, comme je vous dis, c'était un fou. Un fou? Ouais. Comme on dit partout au Comore, on l'attend, Kabanada Balamboudé. Parce que c'est fou. Je peux vous dire en comorien, comme ça vous allez bien comprendre l'histoire. L'histoire l'a compris, mais seulement. Non, mais un peu en comorien. Ah, d'accord. Vous voyez, Wakaya. Wakaya, Wakatoua, Kofania, le Bundilo, Kanga, Bidjou, Lazimu, Wandua, Wafania, Bundilo, Majia, Yandia, Mouere, Jua, Mahame, Wakadaba, qui lui, Wakaja, Kola, Landani, Shawa, Kola, le foyer, à la fou, Haka, au foyer, Balahaye, Chingam, Joda, Balala, Balahaye, Chingali, Shia, Wandro, foyer, Wambokaya, Gebdou, Fanya, Jao, Hunde, Majiala, et Masuyala, le Dabalila, Lirem, Bio, Ranguham, Amhame, Dija, Tamere, Jean Boudé, exactement comme je vous dis, Hadjusa, Henim, Jean Boudé, Hadjusa, Vamanam, Zima, Anim Gangia, Kouadjua, c'était un fou, Lodaba. Ajusa henim gangi hula, alafu ambana fanya bunjilu la hembude banga bjuko ya maji ya mahame, ria recruter avant eux.
dans les dalors il fanye avant heure ils chinder par ces magies si c'est région boude donc ha ja fanye sale bunjilo c'était vous dans un autre camp mais c'est pas sale bunjilo li là bas ha on doit kabala sauf un représentant de maweni kabu kambu maweni wakat wa fanye bunjilo li là bas dans maweni ala fou wa kidile un coup yani yeu de passer jongo et moi déjà jusqu'à Ibembeni, Ibembeni quoi j'ai on n'aurait pas tout que c'est toi commencé à monter. Est-ce qu'il n'y avait pas des dégâts dans la dans le village? Il n'a pas fait de dégâts dans le dans les autres villages. Il n'y a jamais eu de Vous avez dit que quand vous étiez venu voir l'eau en premier, c'était comme du loup. Et ça du coup ça n'a jamais remonté comme ça. Si les blancs quand ils sont venus encore, ils ont examiné l'eau pour voir si l'eau est purement naturelle. Parce que il y a un gars d'ici qui vous connaissez, Alim Sebié, c'est lui qui a proposé aux blancs de venir. Il est venu examiner l'eau, voir si l'eau est purement naturelle. Donc il a mis des trucs comme des pics. L'entreprise qui conserve le lait, est-ce que le village, on a intérêt de la conservation? Oui, on a un intérêt. Que nous on a, on les demande chaque bouteille à une charité. Hein. Chaque bouteille, ils nous donnent 5 francs, 2 francs. À chaque bouteille qu'ils construisent de l'eau, ils nous donnent 2 francs. Et ils construisent, c'est pas 5 millions, nous, on s'en fout. Mais à chaque bouteille, qu'il soit 1 litre, 2 litres, 1 litre et demi, on veut 2 francs. À tout le monde, comment rien. Quand vous avez vu l'eau, vous avez commencé directement à l'utiliser ou vous avez attendu d'abord que les blancs viennent l'analyser avant d'utiliser? Je crois qu'on a commencé à l'utiliser. De la naissance de ma mère, je crois. Et vous vous êtes dit directement que cette eau est propre et naturelle? Oui, parce que avant, quand il n'y avait pas cette eau, on venait la chercher ici, dans la pluie. On mettait, comme vous voyez, des trucs comme ça, de bananiers, des trucs de... Ou des petits tôles. Ouais, voilà, comme ça, pour la chercher. Mais quand on a vu l'idée, on a imaginé qu'il fallait prendre quelque chose, la recruter dans une chose pour pouvoir la voir un peu plus, on a directement construire des citernes. Mais on a commencé à l'utiliser bien avant, longtemps avant le blanc. Parce que le blanc, déjà ça fait 3 ans qu'il est à Maweni qui fabrique l'eau. Moi, de ma naissance jusqu'à maintenant, je l'ai vu, j'ai vu ces tuyaux aussi. Bon, on vient de finir les 10 caméras. On vient de finir les explications ici sur la source. Maintenant, on va descendre peu à peu pour voir le chemin complet de tout ça. Bon, on est toujours à Maweni. Il y a des autres élèves qui montent. Pour nous, on descend. C'est pas une photo, c'est une caméra. Et voilà pour nous, bibliothèque de Tidji ACT. On va descendre avec d'autres jeunes. Avec d'autres jeunes, mais je crois qu'ils vont. On vient de leur donner la place. Et pour nous, on descend. Alors, maintenant, il est midi. Même 13h, c'est Monsieur Nakib, on est en période de manger. From New York, qu'est-ce qu'on est en train de manger là? Il ne mange pas, il fait qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Du pain. Là moi je suis comorien à l'année. Non, c'est pas... Allez, monsieur le coordinateur, qu'est-ce que tu bois là? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de manger, nous n'avons pas de soucis. Ah bon? Comme moi, je suis comorien, d'origine arabe américain. Ouais. Pas de soucis, c'est trop mal à l'eau. Mais il est bon là. Des macarons. Oh, on dirait qu'il y a des gourmands. Moi, je mange. Comme les gourmands, du coup, avec l'association. Ouais, ouais.